êtes-vous prêts pour ce spécial Noël? En fait, c'est simplement un jeu de Noël que j'ai choisi aujourd'hui. On va terminer la vidéo avec un dessin de Noël que je vais faire. Alors, j'ai trouvé ce jeu qui est absolument génial! Et cette vidéo n'existerait pas sans ma cousine Abby. Alors, je te remercie beaucoup pour m'avoir donné cette idée de vidéo qui est absolument géniale. Alors, c'est un jeu, comme vous l'avez vu, comme Guitar Hero. En fait, vous l'avez pas encore vu, mais c'est comme Guitar Hero, mais avec des musiques de Noël pour raviver l'esprit du Père Noël en mode métal. Alors c'est parti, on va jouer à Quick Play. On peut jouer avec 3 niveaux de difficulté, pareil comme Guitar Hero. On va jouer à Medium pour commencer. On va peut-être essayer à Hard juste pour rigoler à la fin. Donc Medium. Ensuite, on a Basic ou Rockstar. Quelle est la différence? Je n'ai pas la manette, en fait, avec la guitare. Si j'aurais une manette de Guitar Hero USB, je pourrais la brancher dans mon PC et jouer sans problème. Mais aujourd'hui, on va jouer avec un clavier, comme le Père Noël nous démontre si bien présentement. Et quand on joue à Basic, il suffit d'appuyer sur les boutons de notre clavier qui correspond à la couleur qu'on a attribuée aux touches dans les options du jeu. D'accord? Donc, il y a les mêmes couleurs que dans Guitar Hero. Mais quand on joue à Rockstar, on doit appuyer sur le bouton, en fait, comme si on grattait les cordes, comme le médiator, en fait, sur la manette de Guitar Hero, pour ceux qui ont déjà joué. Moi, je vais jouer à Rockstar, parce que je suis pas une lope. Alors, c'est parti, on se fait un Jingle Bell, et on amène le clavier par ici, et voilà. Attendez, je vous mets ça bien haut pour que vous puissiez bien voir. Allez! Woo! Yeah! Ça, c'est de la musique de Noël, comme je l'aime, bordel! Yeah! Je trouve toujours que les vraies musiques de Noël, ça manque toujours de pète. Mais ça, ça rock dans mon cœur, putain! Wouh! Je suis rouillé parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Guitar Hero. Oh shit! J'ai changé aussi les configurations de mon clavier pour qu'il puisse changer de couleur quand j'appuie sur les touches aux couleurs de Noël! Merde! Le jeu est bugué! Le jeu est bugué! Il est capricieux! C'est son seul problème! Le bouton vert ne fonctionne plus! Sinon, il serait parfait, bordel! Malheureusement, parfois, le jeu a des petits caprices. C'est son seul petit défaut. Il y a quelques bugs, mais je m'y amuse comme un petit fou. En fait, c'est que j'ai placé le bouton qui est ici, normalement, qui ouvre la console dans les jeux. Et en fait, j'ai remarqué que parfois, elle bug souvent. Par défaut, c'est les touches 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont attribués, et pour le médiator, je me rappelle plus c'est lequel, mais moi j'utilise la flèche du haut. Donc on va recommencer, cette fois-ci, avec une autre chanson à Medium, niveau Rockstar, et on y va avec Carol of the... je sais pas trop quoi, on sent Body Steak, et là ça risque d'être de la merde parce que je suis habitué avec le bouton au bout de mon clavier. Wow, yeah baby, come on, rock-moi la vie like a boss. Oh! C'était pas fait pour le clavier, ça! C'était pas fait pour le clavier! Holy shit! Oh my god! Allez, comment? On se le fait à Hard, cette fois-ci, au niveau Rockstar, et on fait Jingle Bell! Êtes-vous prêts? Parce que moi, je le suis pas! Attention! Allez, donne tout ce que t'as! La différence, c'est que cette fois-ci, on a des oranges! Merde, je suis pas réchauffé pour ça, je suis pas prêt! Shit!
Ah! On se le refait, putain! Allez, come on! On va se pratiquer, on va se réchauffer! Fais chier quand je m'en dénade. Oh. Oh merde! Ok, on termine avec un Silent Night. Je vais vous laisser découvrir le jeu. Moi, pendant ce temps-là, je vais me pratiquer. Et c'est sûr que je vous reviens en live ou avec une autre vidéo avec ce jeu qui déchire parce que je l'aime beaucoup trop. Allez, c'est parti. Montre-moi ce que t'as dans le corps. Oh! Oh shit! Oh! Allez, grand-maman! Rock-moi ça, bébé! Woo! Oh shit! Oh non! Une fois que les doigts sont mélangés, c'est fini, merde! Ah, merde! Pour quelqu'un qui a déjà joué à Expert, je n'accepte pas ça, bordel! J'ai pas le choix de me pratiquer et devenir un titan, merde! Oh my god! Il faut absolument que je me pratique, bordel! Ce jeu est beaucoup trop cool pour être détruit comme ça! Mais là, c'est à froid! Il aurait fallu que je me pratique pendant des semaines! Sauf que Noël est arrivé beaucoup trop rapidement! Mais je vais me reprendre! Voilà, je vais vous laisser découvrir ce jeu! Peut-être que vous allez autant adorer que moi! Sauf que là, on va se préparer et on va faire un dessin bien badass du Père Noël en mode badass! C'est parti! Alors voilà, le dessin est terminé. Si on n'appelle pas ça
un Père Noël badass. Je sais pas ce que c'est. Ben évidemment, il pourrait avoir encore plus badass, par exemple, en chest ultra musclé, en train d'étrangler le diable avec ses mains tout en jouant de l'autre du heavy metal. Ou par exemple celui du jeu qu'on vient tout juste de faire. Mais quand même, il est très cartoon. C'est le Père Noël inspiré du film, attention à l'anglais, Rise of the Guardians. Guardians, ah putain de merde, moi et mon anglais, c'est absolument incroyable. Bref, le film d'animation, et c'est un dessin qui est déjà existant sur le web. Je l'ai simplement un peu modifié, je le trouvais quand même plutôt cool, voilà. Alors, je lui ai rajouté un bonnet de Noël et un fuck-off en guise de tatou. Au lieu, comme l'original, c'est Naughty Nice. Voilà. Donc, c'était pas assez badass. Je voulais que ça fasse encore plus bad boy. Yeah! Et c'est ce qui conclut cette vidéo spéciale Noël. J'aurais aimé être un peu meilleur au jeu d'avant avec la musique et tout et le clavier, mais c'est pas très évident et je dois dire que j'étais plutôt rouillé. Mais c'est sûr que je vais continuer à jouer, me pratiquer et quand je vais être assez bon, je vais probablement me refaire une revanche. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, démontez-la à coup de like et moi je vous souhaite un très très joyeux temps des fêtes. J'espère que ça va aller tellement bien pour vous, que ça va être absolument merveilleux, rempli d'amour, de bonheur et de plaisir. Voilà. Alors, nous, on se revoit en 2017. Ça sonne tellement loin à toutes les fois qu'on fait ça. Hein. On dirait que ça, on parle d'une année complète, mais c'est juste que, voilà, je vais prendre un peu de vacances, donc à peu près une semaine, et en début 2017, donc en janvier, je reviens en force et on commence une nouvelle année. Et il y a encore énormément de projets, il y a encore énormément de trucs absolument géniaux qui nous attendent sur cette chaîne. Merci encore de me suivre et merci de me partager comme ça, d'avoir fait en sorte que l'année 2016 soit absolument incroyable. Et tout ça, ce serait rien sans vous. Donc encore une fois, merci beaucoup du fond du cœur. C'est mon cadeau de Noël pour cette année, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu en 2016. Alors sur ce, je vous aime très très fort. Tenez-vous bien, prenez soin de vous, je vous aime. Bye bye!